candidature à la résidence de Montréal. Comme vous savez, cette semaine, nous avons vécu un autre événement triste dans l'histoire de Montréal. Le dernier épisode, nous souhaitons, de l'histoire de Lyon-Montréal. Et donc, il faut tourner la page maintenant. Le projet Montréal a fait le choix, a décidé de présenter un candidat. Le choix du caucus a été le candidat du projet Montréal, soit moi, après de longues discussions culturelles. Le projet Montréal a présenté des conditions très claires pour la prochaine intérim de Montréal. La première, le représentant de Montréal n'a pas été visité, son arrondissement n'a pas été visité par l'État. Ensuite, que le candidat assure une intendance tranquille jusqu'à la prochaine élection, soit en maintenant le candidat et les membres du comité exécutif en place, ainsi que le président du conseil de ville de Montréal. C'est très important de maintenir la stabilité, d'offrir aux citoyens de Montréal les services nécessaires et maintenir cette stabilité jusqu'à la prochaine campagne électorale. Ensuite, s'assurer d'une probité et d'intégrité sans faille. Et finalement, et c'est moi qui ai décidé d'inclure cette condition essentielle à la stabilité, je propose et je m'engage à me retirer du caucus de Projet Montréal jusqu'au déclenchement de la campagne électorale en septembre prochain. Donc, dans les circonstances, avec tout ce que je viens de vous énoncer, étant donné que Projet Montréal avait également un choix, vous vous souvenez, très difficile à faire lors de la dernière nomination du maire de Montréal. On avait deux candidats qui n'étaient pas notre choix. On a eu un choix difficile à faire. On ne peut pas refaire cette même erreur. Et donc, nous avons décidé comme équipe d'avoir notre propre candidat qui, donc, a été décidé que ce serait moi, le candidat du parti de Projet Montréal. Et je considère, dans les circonstances, être la meilleure personne pour assurer l'intérim de Montréal jusqu'à la prochaine élection.